Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve sur l'offensive de Gilgamesh. Donc un combat en solo, enfin un unique combat plutôt je devrais dire. Et donc je vais tenter comme toujours en mode bourrin. Donc advienne que pourra, bien entendu. Comme stratégie, en principe de base, quand c'est sorti, c'était, il y avait beaucoup moins de possibilités de, beaucoup moins de personnages, beaucoup moins de possibilités, donc de beaucoup moins de force de frappe et tout ça, donc forcément, c'était une autre manière de procéder. Donc 1 million, d'accord. Donc full immunité et faiblesse légère, hein, bien sûr. Donc sauf glace ténèbres. D'accord. Et je crois que là, c'est mieux, je crois que là, au mieux, une quater magique physique. Mais j'ai peut-être une bêtise, hein, là. C'est pas impossible. Ah non, ça va. Donc il s'est boosté ses défenses. Écoute, tu t'es boosté. On te décaste. Oui, c'est vrai qu'il a cette possibilité là aussi. J'avais oublié. Bon, de toute façon, quand je referai de mon côté pour faire tous les objectifs, en principe ça se passera beaucoup mieux comme toujours. Oh beau ça. Bon, malheureusement il s'est full buff là. Bon, je mets le mode bourrin actif. Là, non, si ça suffit. Ouf. Bon, hein, je suis là à votre bourrin, hein, comme j'ai dit. Est-ce que c'est vraiment celui-là ou c'est un autre? Je sais plus. Ah oui, mais j'étais pas sous les... Je crois que c'est sous ces 30% qui fait des trucs. Je sais plus. La lame de Kenji. Ah oui, le manque de confiance, bon, c'est pas grave. Ça, c'est qu'un détail, je vais te dire. Mais c'est peut-être ce qui est le plus compliqué au final. Parce que dans le groupe de 5, ça peut se faire facilement aussi. Par contre, la limite, ça risque de prendre un peu plus de temps.
Oui, punaise, c'est vrai que j'ai plus d'endurance. Donc, je vais aller voir, oui, c'est ça, ça cette lame de Genji, parce que je sais. Je suis même pas. Alors, elle est où? Elle est à 107, d'accord. Elle est à 107, donc c'est un peu plus que le serment cruel. Une compétence, ok. Ah oui, c'est ça, et le Bushido. Ah oui, il faut peut-être, oui, il faut peut-être que je le récupère aussi avant. Ça peut être une bonne idée, je pense. Non, vu que c'est des objectifs, voilà. Je vais aller plus vite que la musique, hein, comme toujours. Voilà, dégâts qui ont partie à la défense et retire tous les bonus pour tous les ennemis. Ah ouais, c'est ça, c'est vrai que. C'est vrai que ça vaut. Ah oui, c'est ça, c'est si ça m'a donné, ça m'a full debuff plus. Plus celui, c'est buff forcément. Forcément, ça pique. Aïe, et ouais. Ben c'est voilà, ben je vais pas aller plus loin puisque enfin, même si je pourrais dépenser pour un peu d'endurance supplémentaire. Dans l'idée, j'ai pas. Vu que c'est galère le chain sur émulateur, du coup, bah, je vais faire ça de mon côté tranquillement. Pour bah, finaliser les objectifs, bien sûr. Qu'est-ce que je. Ou non, c'était. Ah oui, c'est ça, c'était de voir. Donc le prochain combat, ça va être. Ah, les bêtes des ténèbres. Donc Shiva et Ifrit. Donc avec 3 missions, je crois, c'est ça. Ouais, c'est ça, 3 missions. Pro Sup X. D'accord, donc, ouais. Donc 70 endurance, ok. Ça, je pense, ça doit être pareil, non? Ouais, pareil. Donc ça sera ben voilà à partir donc à partir de la prochaine session de combat il va y a du coup le, ça durera plus longtemps de base déjà c'est sûr et mais qu'est-ce que je voulais dire je sais plus je sais plus. Oui, ça durera plus longtemps, forcément, puisqu'il y aura plusieurs missions à faire. Et ben, on va voir si la réussite sera présente ou pas, surtout. Bon, en principe, je pense que les deux premières missions à chaque fois, ça devrait être le cas. Après la dernière, je ne suis pas sûr. Et là, ceux à 10-50. Ouais, c'est juste la dernière, d'accord. Et ça va être 10-50. Ok, donc il y en aura 3 de partout à chaque fois. Ok. Bon, ben on va essayer de. Enfin, on va essayer. Je vais plutôt avancer quand même parce que j'en suis un peu loin pour quand même à un moment donné tenter les chambres de la chambre des armes. Parce qu'on a quand même. En laissant 2 adversaires de disponibles. Et je crois qu'il y a 2 combats en plus. Ouais, mais. Ouais,
On va peut-être pas lancer comme ça, quoique. Ça consomme pas, ok, d'accord, ça va. Mais on va pas y aller. Clairement. Même si ça aurait pu être rigolo de voir un petit peu les. Le coût de formation de l'équipe de 10. Je vais rester là-dessus. Donc je vous retrouve bientôt très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt tout le monde.